Bonjour et bienvenue sur les Gata TV. Bonjour les droïdes, j'espère que vous avez la forme. Vous êtes en présence du Droid Tech et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de Subnautica sur Nintendo Switch. Et oui, épisode 3, vous avez déjà vu les deux premiers épisodes, enfin du moins j'espère. Si vous les avez pas vus, allez les voir. Donc premier épisode de 3 heures, un autre d'environ 1 heure et demie et celui-là, je sais pas. Du coup, je me suis attardé ici et pas pour rien. Donc là vous regardez Nord-Ouest. À 194 mètres de profondeur, je vais sortir du vaisseau. En fait, je me suis arrêté à une petite. Voilà, on est à 359 mètres nord-ouest à peu près. Et là, je suis arrivé dans une grotte. Donc, comme vous avez vu, j'ai le Simos qui est là. Du coup, j'ai réussi à descendre. Et pourquoi je vous montre ça? Tout simplement parce qu'en fait, j'ai réussi à scanner une salle multifonction. Puisque je l'avais pas en vrai, et je viens juste de la scanner. Donc là je vais pas le refaire parce que je l'ai déjà fait. Hop. Voilà. Donc là j'ai pas besoin. Mais ici vous allez trouver la salle multifonction. Tout simplement. Voilà, donc vous avez les coordonnées. Vous avez à peu près la distance avec le Simos. Je sais même pas comment on peut rentrer là-dedans. Je sais même pas si on peut rentrer là-dedans. Non je crois pas. Mais au moins j'ai la salle multifonction. Là il y avait un truc à récupérer aussi. Putain j'ai un mur végétal là. Là. Ça c'est pour de la déco. Voilà. Je sais pas si on peut rentrer par là. Non, on peut pas rentrer, je crois. Oh merde! Oh là, je suis mort là. Ouais. À mon avis, c'est mort. Eh ben, je suis mort, c'est pas grave. Du coup, j'avais fait super attention tout à l'heure et dès que j'ai lancé le game, j'ai perdu. Bon, c'est pas grave. Vous avez retenu la distance, 359 mètres nord-ouest, et on se retrouve dans la grotte. Donc là, j'ai pas mis de balise. Je pourrais construire une balise, mais voilà, j'aime bien le défi du jeu. Donc là, je vais certainement avoir perdu quelques éléments, je pense. Vous êtes mort et vous avez perdu quelques objets. Ouais, bon, en fait, j'ai tout perdu. Et du coup, j'ai réussi à trouver ça en fouillant comme ça, là, dans les 300 mètres. Un analyseur de fluide et puis équipement de laboratoire et tralala et tralala. Donc c'est pas mal. Donc le gros avantage là, je sais pas, hein, je sais pas si je vais y arriver. Mais comme j'ai récupéré la salle multifonction, il est peut-être possible que je crée une salle multifonction. Hop, est-ce que je peux. Là, voilà, et ça, est-ce que je peux. Je peux pas. Mais bon, pour l'instant, on va le garder. Hop, moi, je puisse le mettre là. Non, je peux pas non plus. C'est pas grave. Donc on va voir pour la salle multifonction. Donc j'appuie sur pas ça. Je vais appuyer là-dessus. Et voir un peu ce qu'il faut pour faire la salle multifonction. Parce que qui dit salle multifonction, ça porte son nom. Hop, je sais pas où ça va être, mais voilà. Donc là, il y a la balise, on va peut-être en faire une tout à l'heure. Histoire 2. Module de profondeur, ah ça c'est bien. Donc là, j'ai récupéré des trucs aussi. Hein. Donc pour améliorer, je sais plus comment ça s'appelle, on va le voir ensemble. Car le bras, voilà. MK2. Voilà la salle multifonction. Donc il faut 6 titanes pour la faire. Donc on va pas se faire chier. Et je vous montrerai après. Du coup j'ai récupéré quelque chose pour améliorer le mes composants, mes instruments. Voilà. Et aussi le Simos. Donc là, hop, on va prendre ça et on va aller dehors. Bon j'ai perdu des trucs mais c'est pas grave. C'est le but du jeu, on se prend pas la tête. De toute façon, si on se prend la tête, on finira jamais. Voilà. Comme je vous l'ai dit, pour l'instant, c'est vraiment smooth. Child, on se prend pas le chou. Donc là, normalement. Ouais, le mur végétal, je l'ai scanné tout à l'heure, là. Du coup, j'ai la salle multifonction qui est là. Voilà. Ah oui, là, c'est vraiment stock, hein. Putain, c'est vraiment... Voilà. Hop, on fait la salle multifonction et on la crée. Et voilà. Du coup, ça va vraiment donner de la gueule à notre chez nous. Je crois que je peux pas le terminer, ça, il manque des trucs, je crois. Ah bah non. Ah voilà. C'est par le travail des loisirs pour maximiser l'activité. Ouais, d'accord. Mais nous, pour l'instant, c'est pas vraiment l'endroit où. C'est, comme je vous l'ai dit, hein, on va pépèrement construire quelque chose et on recréera une base un peu plus tard dans le jeu. Donc là, j'ai la boussole. Ok, super.
Assigner à l'emplacement rapide, analyseur d'échantillons non fonctionnels, équipement de laboratoire non fonctionnel. Ouais, mais pour l'instant, je sais pas trop à quoi ça va me servir, quoi. Du délire. C'est du délire. Salle de scanner. Ok, bon, pour l'instant, je peux pas faire. Une centrale thermique. Ouais, mais avant de faire la centrale thermique, mon pote, magnétite, aérogel, oh là là, pompe à air murale. Pompe l'oxygène à partir d'un habitat alimenté vers un réseau de tuyaux connectés. Ouais, bon, pour l'instant, j'ai pas besoin de ça. Kit de câblage bioréacteur décompose la biomasse en énergie électrique. Ça peut être intéressant à faire. Mais du coup, j'avais un truc qui m'intéressait tout à l'heure, c'était ça. Du verre et du titane. On va voir si on peut le faire, le distributeur automatique, ça pourrait être intéressant. Donc il faudrait que je trouve du verre et du titane. Est-ce que j'ai du verre? C'est la bonne question. Là dans l'armoire. Là j'ai du verre, ouais. Voilà. Et par contre, bonne question. Je vais essayer de le construire. Hein. Je vais pas y arriver. C'est d'air. Hop, hop, hop. C'est pas ça. Ça doit être ça. Ah, titane x2. J'ai pas assez de titane. Donc tout ça, après on va l'enlever. On va le refaire tranquillou entre nous. C'est pas prise de cette façon. Faites-le en fonction de vos envies. Pour l'instant, ça a pas lieu d'être méga méga archivo. On le fera une fois qu'on aura vraiment tout, vraiment bien poncé le jeu, quoi. Ah bah du coup, j'ai mon CMOS qui est à 372 mètres. Bah du coup, le CMOS est là où je l'ai laissé. Donc, grosse chatte, on peut le dire. Je vais retourner à 372 mètres nord-ouest, là. Et normalement, on devrait retrouver notre vaisseau. Voilà, nickel. Donc, j'ai pas mis de balise, mais j'ai laissé le vaisseau. Et du coup, mon vaisseau est là-bas. Impeccable. Donc, trêve de bavardage. On va essayer de placer ça. On va faire A. Et je sais pas... Ah, voilà. Bon, c'est pas le plus optimisé, mais voilà, en espérant que ça donne de l'eau. C'est ce que je veux. Ah non, ça donne de je sais pas quoi. Putain, c'est énorme. Ok, et ça marche comment? D'accord, alors est-ce que c'est juste pour la déco? Ah. C'est énorme ça, c'est pour me donner à manger, je mange que des cochonneries. Mélange de chips. Ouais, c'est ça. Ok, alors je sais pas si c'est le must, mais voilà, on l'a construit. Oh, c'est du délire. C'est du délire. Il y a du tout le porte-nawak là-dedans. Mais bon, voilà. Donc là, on a quoi? Une poubelle. Déconstruit les objets inutiles et relâche sans danger. Nanana. Il faut du titane x2. La poubelle pourrait être intéressante pour les trucs là. Une armoire. Donc évidemment, je peux comprendre que pour vous, ouais, la poubelle, le distributeur, ça sert à rien. Mais voilà, c'est tranquille. Je ferai une autre salle multifonction après. Wow. Et en fait, je croyais qu'il donnait de l'eau, mais non, en fait, il donne que des chips. Mais du coup, c'est archi bien parce que tu bouffes tranquille des petits trucs. Et puis, vu comment ils se dépensent. Donc. Ah ouais, c'est ça que j'ai récupéré. La station de modification. Mais du coup, il me dit un craignant inconnu alors que je l'ai scalé tout à l'heure. Bref. Tac, c'est quoi que je voulais faire? Moi, j'ai déjà oublié. La poubelle. On va mettre la poubelle là, dans ce coin-là, puis on verra après. Hop. Voilà. Poubelle déconstruire. Ok, donc on va voir un petit peu. Hop. Non. Voilà, c'est ça. On va essayer, on va voir ce que ça donne. Je veux juste voir. Comme ça, j'en ai construit pas mal. Non, c'est pas ça que je veux. Hop. Ouais, super. Oh, c'est une galère à récupérer ça. Ok. On va voir un peu ce que ça donne. Après, si ça nous intéresse pas, franchement, on s'en fout. On déconstruit, puis voilà. Et du coup, je l'ai dans la poubelle. Utiliser la poubelle. Ok. Ah bah du coup, c'est parti à la poubelle, voilà. Ah. Utiliser poubelle. Elle est vide. Ok. Bon bah ça me va. Super. Là. Ok. Là, ok.
Et là, j'ai un peu de place. Bon, tant pis, hein, c'est pas du titane, mais voilà, en attendant. Là, j'ai ça, là, j'ai ça. Donc voilà, pour l'instant, ça commence à prendre cette gueule-là, tranquillou. Et là, on va dire que c'est une bêta pour le moment. Hein. On fera une meilleure base après. Donc, je veux voir avant. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une pile à 100%. Bon, déjà, c'est bien. Lampe torche, machin. L'hydropropulseur, il est à combien? 38 sur 100. Je crois que je vais aller faire un peu d'eau là. Du coup, il faudra que je trouve un truc pour l'eau automatique. Là, ça serait bien aussi. Voilà. Non, mais c'est bon là. Hop, hop. Voilà. On va essayer de trouver d'autres pochons. Oh là 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 là. Et après, on va retourner voir le Simos. C'est quoi ça? Il est un peu chiant, lui, le rôdeur, là. Donc, il me faut à manger. Et il me faut... Ah bon non, c'était pas prévu comme ça et... Là c'est du quartz, ça peut toujours servir. Oula, on va éviter là. Voilà, bon voilà le deuxième. Faut que je trouve à manger aussi. J'ai vu. Par là y a rien. Donc c'est vrai que le jeu nous laisse un peu à l'abandon dès le début et tout ça, faut se débrouiller tout seul. Mais moi je trouve que c'est super bien. De pas se galérer. Par contre que je me. Il me reste 48, j'ai pas envie de mourir. Une deuxième fois. Hop, ok. Retourner à la surface. Oh. Pourtant je suis pas dans le. Ah oui, il est là. Putain, je suis arrivé dans cette zone là. Voilà. Donc là le but c'est de construire donc des bouteilles et tout ça, de la nourriture pour pouvoir partir en excursion tranquillement. Voilà, ça c'est fait. Voilà, 3 litres, on va dire 3 litres, hein, mais je sais pas si c'est vraiment 3 litres. Je profite. Voilà. Oh le son, je reviens toujours dessus, hein, à chaque fois je le dis dans les épisodes, mais putain que c'est lourd. Moi je vous le conseille, hein. Donc je joue à Subnautica sur Nintendo Switch. Si vous aimez ce genre de jeu, n'hésitez pas à le prendre, faites-vous plaisir. Donc là je cherche des pochons. Ça, ouais, des débris métalliques, mais pour l'instant j'en ai pas besoin. Ah. Pas beaucoup de pochons là quand même, hein. C'est chiant. Merde. Là il y a un pochon là. Ça c'est bon. Voilà. En fait en vrai tu pourrais pas le faire dans la vraie vie. Hein. Ouais, façon fait je remonte à la surface.
pense qu'il y a moyen après d'augmenter notre capacité d'oxygène aussi. Hein. Ça, je crois que j'ai... Ouais, enfin, manque du civil, j'avais déjà trouvé. Merde. Oula, on va peut-être éviter d'aller par là. Ouais, je vais partir d'avoir celui-là. Ok, il me reste un petit peu d'eau. Oh là là, j'ai pas de pochon. Il se passe quoi? Sachant qu'il faut que je bois de l'eau. Ils ont tout mangé les pochons là ou quoi? Ah, en blanc. Je sais pas combien j'en ai. D'accord. Bon, ça va, j'ai assez d'eau là. Il me faut à manger aussi. Là, il y a des débris pour l'instant. Ça. Ah. On y va. Et après, on part explorer. On retourne vers le Simos, c'est promis. Mais je veux pas partir à l'aventure comme ça. Ah ouais d'accord, je peux même pas le saisir, c'est pas mal ça. Il a eu de la chance lui. Ça, je pense qu'il faut une combinaison tralala pour l'avoir, c'est obligé de toute façon. Et je crois que je me suis reperdu. Ah mais il se moque de moi là. Petit bug. Combien je me suis écarté, putain je suis arrivé à 300 mètres hein. À chaque fois c'est pareil, c'est du délire. Tu pars pas loin puis du coup tu te retrouves à 300 mètres après. Après j'ai mes fameuses chips qui servent à rien quoi. On va remonter. Voilà. Tout ce qu'il faut. Peut-être après on aura peut-être un réfrigérateur, qui sait. Allez, donc du coup il y a un kit à récupérer je suppose. Voilà, bon ma santé ça va. Ok, donc là c'est du verre. Comme on manque souvent d'eau, je pense fort utile de laisser au moins une bouteille d'eau sur nous et une nourriture, même si on peut arriver à se nourrir vite fait comme ça. Voilà.
Et ça, le problème, c'est que tu peux pas les stocker parce que si tu les stockes, pour le moment, c'est périssable. Ou alors, il faut saler. Donc, je pourrais les saler. Mais là, j'ai pas envie de prendre mon... Enfin, perdre mon temps à les saler. Je le ferai offline. Donc, créer une armoire et puis stocker du poisson salé. Et voilà, on sort. Hop. Donc là on a 39, 59, c'est 20, 79 et 99, on est bien. Et voilà, donc là on a un petit peu de trucs. Voilà, hop, nickel, on a ça au cas où. Ça c'est du quartz. Du coup avec le quartz on peut faire du verre, mais là je vais laisser pour l'instant. Voilà. Welcome aboard, Captain. Et est-ce que j'ai besoin réellement de quelque chose pour le moment? On va regarder. Hop. Simple appareil de relaxation en métal, conserve l'énergie au repos. Ok. Écriteau, panneau, ouais, bon, poubelle. Une paillasse. Armure végétale, purement décoratif. Vachement utile. Ok, circuit intégré, donc tout ça va falloir le faire. Habitat aquarium autonome, donc ça, ça peut peut-être servir à quelque chose. Mais par contre, ça, je l'avais trouvé, mais je peux pas le faire. Bon. Ça, ça peut être intéressant par contre. Du titane x3 et un kit de câblage. Décompose la biomasse en énergie électrique. Ça, ça peut être intéressant, surtout de... quand on va évoluer le truc. Hop. Et je crois qu'il faut... plate acier. Oh putain, laisse tomber. Truc de kit de câblage. Donc c'est du minerai d'argent. Ok. On verra ce qu'on trouve. Donc là, on part à l'aventure et c'est reparti. On a une pile au cas où. Du coup, on va essayer de retrouver notre Simos. Donc je sais plus où il est. Donc, mais je sais qu'il est nord-ouest, tralala. Là, voilà. Donc c'est parti. Vous voyez, 3 kilos bilou. Et là, il est voilà, à 320 mètres. Donc, il va falloir que je descende en plus. Hop, donc là, comme j'ai une pile, on va y aller. Non. Voilà. Il est où notre Simos? Il a perdu Simos? Il doit être dans le coin. Non, c'est pas là où je veux aller. Merde, j'ai perdu le Simos. C'est malin ça. C'est archi archi malin ça. Évidemment. C'est toujours quand tu trouves un truc intéressant. Il est là. Non, il était dans le coin. Je sais même plus. Non, c'est pas ça, c'est ça. Je l'avais déjà trouvé. Ah, le si, là, il est là. Ah ouais, d'accord, un Léviathan. Ok, machin, il veut m'attaquer.
Mais je suis sage, moi. J'avais pas prévu de mourir tout de suite. Il y a quoi, là? Ok. Et on y va. Donc, je sais pas si je vais avoir assez. Mais on peut y aller. 170. Donc, comme ça, ça vous donne la zone, hein. À mon avis, va falloir que je remonte. On est là. Bon, ça va le faire. Et voilà. Ça, je peux retourner dans mon CIMOS. J'avais pas de balise, mais j'avais laissé mon CIMOS. Donc là, faut faire très très attention parce que, comme vous voyez en haut, j'ai le droit à 200 mètres et je suis à 194. Donc là, je quitte. Et je vais réexplorer ce que j'ai laissé. Hop. Allez, c'est parti. Donc, je sais pas s'il y a des trucs par là. Ah là, il y a une tablette. Ah. Oh. Voilà. Il faut faire super attention, là, c'est... Là, il y a un truc. Hop. 60. Voilà, le fusil à stase. Ça, j'avais déjà fait. 39. Il faut pas que je meure. Ok, et le CIMOS, il est où? Là-haut. Normalement, on devrait pas mourir. Voilà. Bon, c'est un peu relou, je l'avoue, mais c'est toujours mieux que rien. Donc, du coup, ça fait des petites expéditions. Et c'est pour ça que j'ai pris une pile tout à l'heure. Bon, on va pas rentrer dedans. Je l'avais déjà faite. 2 sur 3. Par contre, j'aime pas le bruit que ça prend là derrière. Là, j'ai mon casque sur les oreilles, c'est. Ça fait bizarre. Donc, faut que j'arrive à rentrer dedans là. Il y a un truc à peut-être à. À scan. Je sais pas, ouais, je vais pas prendre de risque. Ouais, on y va. On ne prend pas de risque parce que j'ai pas envie de reperdre. Allez. Énergie. Ouais, d'accord. Là, j'avais trouvé un truc là. C'est sûr que si je pouvais descendre plus profond avec le CIMOS, ça serait archi bien, mais bon, on peut pas tout avoir. Ah, la chambre d'immersion. Je pense que je peux rentrer. Ah, c'est bon. 56. Là, y a vraiment pas mal de trucs. Hein. Donc en fait, je sais pas si ça s'est perdu ou je sais pas quoi. Mais c'est vraiment étrange. Là, j'ai 44. Donc là, j'aurais tout fait là. Pratiquement. On va remonter. 30 secondes. Ouais, c'est bon. Et là, on va vraiment rentrer dans le vaisseau. Donc il reste 10 d'énergie. Ah, voilà. Je suis tranquille. Et j'ai vu qu'il y avait une entrée par là. Donc là, il va falloir faire super attention. Merde, déjà, hop. Oula. Oh merde. Ah bah, il faut aller faire super attention. Je suis mort. Donc j'ai dû perdre des trucs.
C'est pas prévu. Mais du coup, j'ai mon Simos, encore une fois. Donc je sais pas ce qu'on peut faire contre ces plantes-là. Soit on les titille pas, ou je sais pas quoi, je sais pas ce que c'était. J'ai perdu des objets. Ouais, bon. J'ai perdu quoi? Ouais. Rien de bien méchant. Hop. Non, c'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est ce que je peux récupérer là. Voilà. Ah merde, il reste encore du monde là-dedans. Ah, j'avais pas vu. Donc là, il reste 10, mais on s'en fout. J'ai des kits, j'ai à manger. Là, j'ai du quartz, des pots de sel, du titane encore. Oula, le titane, hop. Ah, minerai de cuivre, titane, d'accord. J'ai un circuit imprimé, d'accord. Une pile qui est à moitié chargée. Ok, palme, nanana, tuyau, pompe à air. Là j'ai le recycleur, mais bon, kit de câblage et maille de fibre. Je pourrais peut-être le faire tout à l'heure. Outil de repérage. Des points à disque de marque holographique utilisés pour cartographier un chemin de sortie de caverne ou autre espace assez difficile de naviguer. Ok, poche d'air. Flottaison d'urgence, la réaction chimique produit un gaz plus léger que l'air obtient rapidement une flottaison, d'accord. Ah, fusil. Bah voilà, il faudra que je trouve de la magnétite. J'ai toujours pas de diamant, donc je peux pas le faire. Quand je trouverai du diamant, je le ferai. Ok. Là, j'ai obtenu pas mal de trucs. Ah, les palmes ultra glissantes. Et bras de forage pour combinaison. D'accord. Là, il manque encore. Schéma du pont de Cyclope. D'accord. Donc pour l'instant on n'a pas grand chose. Et la chambre d'immersion, faut que je re-rentre dans le truc. Je suis obligé. Je n'ai pas le choix. Donc faut continuer l'exploration avant de pouvoir recréer. Ça c'est sûr. Moi ce que je voulais créer, c'était une pile. Et pour la pile, il faut. Vous vous souvenez ce qu'il faut pour la pile? Les champignons et 10 minutes de cuivre. Alors, est-ce que j'ai du cuivre là? Oh non, non, non. J'ai du minerai de cuivre. Voilà. Et on va aller chercher les champignons. Puis on va faire notre. On va faire des piles. C'est très très important ça, les piles. Je sais pas combien il faut de champignons. Ben. Donc tout ça en fait tu peux t'en passer, de la respiration et tout ça, si tu joues pas en mode comme moi quoi. Mais moi je voulais vraiment le faire comme si que j'avais débarqué et tout ça. Hop, matériaux. Ouais, ça c'est bon. Et pour une... il faut du caoutchouc en silicone. Donc qu'est-ce que je peux faire là? Ouais, le fusil à stase, ouais. Mais pour l'instant. Ah, j'ai le circuit intégré, il manque plus que la magnétite. Donc là, je vais en laisser une grosse et une petite. Parce qu'il faut pas oublier que j'ai le CMOS. Et j'ai pas envie de tomber en rade de... avec le CMOS. Voilà, tout simplement. J'ai le réparateur et tout, vaut mieux prévoir. Donc du coup, est-ce qu'on a assez à manger? 70. Ouais. Donc du coup, bah c'est reparti encore une fois. On va aller à la chasse. Ouais. Voilà. Donc vraiment désolé, mais là, voilà. Pourtant, j'avais fait le plein, mais pas assez.
Putain, j'aurais pu le prendre. Mais non, viens par là. Reviens, Léon. Il veut pas que je l'attrape. Voilà. Ça, ça se mange aussi, j'en ai déjà mangé. Par contre, c'est la flotte, c'est archi dur à trouver, c'est un truc de ouf. Non, là. Pour en trouver, c'est un truc de dingue. Hein. On va éviter de se faire croquer. Pas lui. Et ils sont où les pochons? Ah, j'en profite pour farmer un peu quand même. Hein. Bon, bah, on n'aura pas de pochon là. Merde. Elle en fait exprès lui. Ah. Tu te moques là. Oh mais là j'avais besoin d'eau. Donc ça va. Oui ils sont trois là. Trop de rôdeurs là. Trop de rôdeurs, tu le rôdeur. Oh, si seulement j'avais un truc pour les péter là. J'en ai vu un dans le coin là. Oui bah arrêtez de me manger. Hein. Là je sais pas comment je suis. Bon, ça a l'air d'être pas mal. Il ne reste plus qu'à retrouver mon habitat. Que je sais pas, je sais même pas où je l'ai mis mon habitat. Putain la dose de rôdeur là dès que tu commences à... Où est mon habitat? Là. Ah, j'étais pas parti trop loin là, pour une fois. Je sais pas s'il y a des trucs de débris à me ramasser. Ça peut servir. Oh non, c'est pas ça que je voulais, c'était lui. Il se moque de moi là. Ouais, tu m'auras pas deux fois, hein. C'est bon là. Arrêtez les bêtises. This is Life Pod 4. We've landed close to the Aurora. Flotation device is active, but we've got some big old fish in the water with us, and I don't know how long we're going to last. We're close to the crash site, so bring radiation protection. Four out. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin. Ouais, j'ai une capsule aussi à aller voir là.
Faut que je m'en occupe. C'est dommage que... En fait, il me faudra trouver un sac à dos, un truc du genre, là. Ça serait bien, ça. Un truc de plus grande capacité. Ok. Nourriture. Moi, il donne pas envie le gros truc là. Mais bon, faut oublier qu'on est en survie. Là, j'ai plus rien. Et voilà. Je sais pas si j'ai du sel là-dedans. Sinon, je vais essayer de les saler. Non, j'ai pas de sel. Ah, si, des pots de sel. De garder un peu de nourriture parce que du coup si je pars longtemps est-ce que je vais pouvoir pourquoi je peux pas piper pochon. Ah ouais, en fait il faut pas les cuire, faut les laisser comme ça. Oh vas-y, c'est relou. Mais du coup c'est pas grave. Okay. On va se vider un petit peu. Welcome aboard, Captain. Voilà, qu'est-ce que j'ai pas besoin de ça là pour l'instant. Ah, des places. Ah merde, c'est déjà plein. Oh. Ouais. Moi je sais pas, écrire. C'est pas de ma faute. Donc je le rappelle pour tous ceux qui arrivent, c'est fait exprès pour l'instant, je suis pas en mode je crée mon truc, machin. Ça aussi c'est plein. Ok, bon, c'est pas grave. Tac. Ça me sert pas à grand chose. Non. Du coup, où est mon Simos? Mon Simos, il est là. Qu'on plongera vraiment qu'au dernier moment, là on est à 21 mètres. Simus il est là, il est à 140 mètres déjà? Ah ouais, j'ai été vite. Ouais mais non, ça devrait le faire là. Je vais re-rentrer dedans. Et voilà. Et du coup, faut que je fasse super attention maintenant, c'était trop beau que je puisse rentrer comme ça, là. Magnétite. Ah, j'ai trouvé de la magnétite. Là, il me dit de scanner ça. Ok. Ah, j'ai du lithium maintenant. Donc là, là il y a un truc que je devrais pas. Faut que je fasse attention. Oh, merde. Ah non, il y a un truc qui va pas là. Ah si. Oh merde. Donc je sais pas ce que c'est qui m'a. Non. Moi, je sais pas si j'ai pouvoir, là, deux. Ouais. Je vois pas, pourquoi je suis mort, Il y a un truc, mais je vois pas trop, là. En plus, j'ai besoin d'y aller dedans.
Mais je vois pas si c'est la plante ou autre chose. Non, ça je vais pas pouvoir. Ouais, ça c'est de l'or. Là c'est des spores. Il y a peut-être un truc, une protection. Non. Putain, 130 humains, je me suis perdu là. Je sais pas ce que j'ai branlé. Faut pas que je fasse le con. Ah ouais, c'était là. Et ouais, là ça par contre ça m'avantage pas là. Du coup. Qu'est-ce que c'est qui pourrait. Parce que là j'ai bien fait attention. Là je touche à rien. Ouais, faut que je rentre quand même dedans. Hein. J'ai pas le choix, mais. Ah, j'ai surtout le choix de mourir. Hein. C'est que je peux pas. Ah, il me reste encore un truc de santé. On peut le tenter. À moins que je trouve un autre truc pour entrer, mais ça m'étonnerait. Hein. C'est super long. Y a rien à scanner. Non, parce que là, quand je m'en approche, j'ai rien. Et je peux pas rentrer dedans. Oh putain, il y a tellement de trucs. Ah, je peux scanner ça. Là, j'ai le bureau. J'ai peut-être même pas besoin de rentrer dedans. Appareil de filtrage à eau. Ça peut être intéressant. Ouais, on y va. Bon, du coup, j'avais peut-être pas besoin de rentrer dedans, en vrai. Je sais pas, j'ai un doute. Là, je peux pas vous dire ce que je peux, ce que je peux pas. Allez, on continue. Parce que du coup, j'avais vu des trucs intéressants. Donc là, ça c'est fait. Qu'est-ce que j'avais eu encore? Le bureau, je crois que c'est fait. Le filtrage, c'est bon. Ok. Bah là, il y a des armoires, mais les armoires, j'ai déjà, je crois. Enfin, c'est même pas une armoire, mais je sais pas comment ça s'appelle. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants là-dedans? Non, là, c'est juste un escalier. Ok. Putain, j'ai même pas le temps de vérifier tout. Ah, c'est mission, oh là là. Ouais, c'est bon, ça va le faire. Bon, on a déjà obtenu des trucs, c'est bien. Il y a un autre truc là-bas, on va aller voir vite fait. Que je m'éloigne pas trop quand même. Ah non, c'est juste un champignon. Ah non, il y a un truc là. Je crois que c'est juste une base. Oh, il y a un gros serpent. Pour les lecteurs, je sais pas à quoi ça sert, mais bon. J'ai un projecteur.
Ah oui, le projecteur, d'accord. Oui, j'ai compris quoi c'est. C'est un projecteur, quoi. C'est pour les fonds marins. En fait, je suis archi con parce que je pourrais construire un truc et être tranquille. Hein. Ça m'éviterait d'aller tout le temps dans le vaisseau. Hein. Non, ça va le faire. Voilà. Du coup, si je reste là, sans... En jouant avec le feu, mais... Ok. Warning, maximum depth reached. Hull damage imminent. Ok. Voilà. Je sais pas s'il y a grand chose à voir par là. Je crois pas. Hein. Une capsule de survie à 1072 mètres, mais là de par là ça sert à rien. Là par là, il n'y a pas grand chose. Oui, t'inquiète pas. Putain, il y a même des poissons normaux là. Ah. Là, j'ai de l'or, impeccable. L'altera. Bon, je sais pas ce que c'est. Magnétite. Voilà, il y a du lourd. Hein. Remboursez le prix du marché. Votre facture actuelle s'élève à 3 millions de crédits. Vous serez tenu de rembourser au prix du marché. Ouais, je sais pas ce qu'elle me parle, mais bon, si tu veux. Simos, il est là. 80 mètres. 30 secondes. Attends, on dirait pas quand même qu'on s'éloigne autant. Bon, j'ai obtenu pas mal de trucs. Le truc, c'est de pas mourir maintenant. Magnétite, magnétite, magnétite. Et j'ai eu, je sais pas quoi là, du lithium. Ok. Et du diamant. Ah, du coup, je vais pouvoir faire le. Le truc pour péter tout là. Ah oui, il voulait que je fasse je sais pas quoi, mais je le ferai tout à l'heure. C'est quoi ça? Oh, du diamant, nickel. Non, je vais pas avoir le temps. Je vais revenir. Tant qu'on va pouvoir descendre un peu plus, ça va être intéressant. Je sais pas ce qu'il voulait que je scanne là. Un petit coup de diams. Continue. Je
crois que je vais pas pouvoir le prendre celui-là. Non, il va me falloir le truc. Du coup, on va peut-être retourner à la base là. On reviendra, de toute façon, on sait où c'est. On y va. Comme on a obtenu pas mal de minerais aussi, ça peut peut-être être intéressant de se faire plaisir. Bon, maintenant, faut qu'on ressorte. Non, c'était pas ce que je voulais faire. Faut juste que je retrouve la putain de base. Je sais même pas où est la base, je crois que je me suis perdu. Ah non, le machin il est là. Je me suis pas perdu. Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. C'est quoi ça en bas? Moi j'avais tout vu en bas. Du coup, pour le réparer. La grosse chance d'avoir le réparateur. Tac, tac. Donc je viens de par là. Oh ouais, oh, ça va. Hein. Ouais. On va peut-être pouvoir construire 2-3 trucs intéressants. Donc du coup, comme je vous ai dit, on va se prendre en point de repère le truc là. Je sais pas où il est d'ailleurs. Là. Donc 318 mètres à peu près nord-ouest. Donc nord-ouest, voilà à peu près. Hein. Si on prend nord-ouest, là dans le... Ouais, nord-ouest là, voilà. Allez, on retourne à la maison. On reviendra après pour une autre expédition. On va pas tuer notre Sibus. Par contre, ce qui est bien, c'est que comme j'ai de l'eau et tout ça, hop, et que je peux manger, gros avantage. Et voilà. Oh, je suis un guedin, je l'ai mis par là. Pas mal, hein. Aurora, we're approaching the planet now. Oh, je suis a landing site for you that's... Well, it's better than the alternatives. We've sent you the coordinates. It'll take us a couple of days to align our orbit. We should be able to establish direct contact with you during that time. Then we're coming in to get you. The Cross your Iron, fingers, ouais. The weather holds. Don't leave us yeah, waiting. Send me out. Donc, non. Excusez-moi, encore une fois. Comme j'ai pas mal de trucs. Kit de câblage. Ah oui, je voulais faire je sais plus quoi là, le découpeur laser. Des tuyaux, ouais. Ça aussi, faut que je m'en occupe. Couteau, lampe de torche, scanner, découpeur laser. Donc du diamant, il me faut du titane et du soufre de cave. Ouais. Welcome aboard, captain. Du titane, du diamant. Là, j'ai du lithium. La magnétite, on verra après. Hop, j'ai ça, titane c'est bon. Il me faut du soufre de cave. Je vais aller en chercher.
Juste que je trouve un machin qui déraille là. J'aurais pas trop de mal à en avoir. Faut pas me lâcher un petit peu là. Bah, y a pas de petits poissons qui veulent péter un boulard? Lieu de l'atterrissage, ouais. On ira après, on n'est pas pressé. Là, je cherche du soufre de cave. Donc, le soufre de cave, c'est les petites bestioles qui s'explosent. Hein. Il y en a un petit peu partout. Faut juste trouver une bonne caverne. Ça suffit, oui. Pour les pétoches. Ah, oh, puis il fait nuit, ça va être une galère là. C'est quoi ça? Est-ce que je l'avais. Ouais, ça, ouais, vraiment que cyclique, j'avais trouvé. À 300 mètres là peut-être, peut-être pas. Ça fera des bouteilles d'eau. Mais le découpeur laser m'intéresse. Ça fera un truc de créer. Alors, bah tiens, quand on parle du loup. J'ai du soufre de cave. Très bien aussi si je puisse ressortir. Moi j'ai quelque chose à récupérer là. Là j'ai vu un truc. Oh merde. Très bien, si je retrouve mon vaisseau quand même. Je me pose les mis. C'est malin ça. C'est pas malin. Faut faire attention parce que là. Merde, en décomposition. D'eau. Merde, il est où, Moussa, là. Ça va, 34 minutes et largement le temps. Je suis large. Voilà. Qu'est-ce que je...
Du coup, j'ai pas laissé le sel là-dedans. Tant pis. Hein. Débris métallique vert. Bon, c'est pas ce que je veux. Hop. Si je pouvais avoir des filets, un truc du genre là, ou des œufs à faire éclore et que je les fasse reproduire entre eux, ça serait bien, ça m'éviterait de faire tout ça. Équipement, et voilà, là je peux le faire. C'est bon ça. Nickel, qu'est-ce qu'il me donne en déployant? Ah ouais, la balise. Ah bah ça, ouais, je peux en faire une. Donc c'est du minerai de cuivre et du titane, c'est bon à savoir. Du coup, on va manger un petit bout. Et j'ai de l'eau. Impec. Il me semble que je peux faire autre chose maintenant. Non, c'était pas ça qui me... C'est le créateur machin truc. Découpeur laser. Appareil découpe capable de percer des portes en titane standard. C'est énorme. Outil de réparation. Scanner. Constructeur. Appareil de filtrage d'eau. Ah ouais, mais j'ai pas l'aérogel, donc c'est mort. Et ça, je pourrais le faire. De mémoire, j'ai du... Non, ça c'est pas ça. J'avais quoi? Du diamant, de l'or. Non, c'est du minerai de je sais pas quoi qu'il fallait là. Du... Ouais, pour le kit de câblage, il faut du minerai. Ah ouais, ça... Ouais, vachement intéressant ça pour le moment. Un bureau. Waouh, j'allais loin que ça. Et là, j'ai ça... Donc, compartiment avec une vitre à très faible intégrité structurelle. Non. Salle de scanner, chambre d'immersion. Ok. Donc ça, station de modification, je l'ai pas. J'ai encore 4 trucs là. Ça pop direct, mais ah ouais, c'est parce que j'ai le bureau. Okay. Cuivre. Ouais, j'ai ça, mais là pour l'instant ça me sert pas à grand chose ça. Oh merde. Nickel. Pas joli ça. T'en profiter pour une fois qu'on peut être. On commence à bien bien armé, on va dire ça comme ça. Ouais, du minerai d'argent. Je crois que j'en ai pas de minerai d'argent. Même de la magnétite, ça me servira après ça. Je sais même pas quoi ça sert. Quartz, plomb, dépôt de sel. Ah bah tiens, j'avais du sel là. Caoutchouc, minerai d'argent, j'en ai un. Je crois qu'il m'en faut deux. Ah, il y en avait là. Ah bah oui, j'en ai là. Voilà. Du coup, je peux faire le truc, là. Moi, j'ai tout. Ça. Non, ça. Faut
faut que je fasse donc 3 titanes lubrifiants, j'en ai, c'est sûr. On va voir un peu ce que ça donne. Je pense qu'il va falloir mettre ça sur une. Le tout, c'est de voir comment ça se goupille. Et une fois que ça va être goupillé, ça va être bien. Voilà. Sachet. Du lube, je savais que j'en avais. Deux, hop. Même si j'ai pas besoin de deux, il va me falloir du titane. Et après, on va repartir à l'aventure. On va découvrir. On n'est pas là que pour farmer machin truc. On est là pour découvrir l'épisode aussi, aller un petit peu plus loin. On a découvert pas mal de trucs là, franchement. Du coup, je sais pas comment on fait, on va voir. J'ai aucune idée de comment on fait. Ça. Oh non, merde, il m'en faut 3. Fait exprès ou quoi? Voilà. Je pense qu'il y a d'autres choses à découvrir encore et à explorer. Pour hop, là. Alors, comment on peut faire là? Je sais pas comment on fait. On peut le poser où ce machin là? Ça se pose à l'intérieur ça. Je vais mettre dehors mais non. Ça se construit de l'intérieur. Voilà. Ça va être badass hein. Une source d'énergie fiable est une unité cruciale dans l'autosuffisance. Ouais d'accord. Envisagez de garder un journal de bord. Non mais je vois même pas comment il faut faire. Inactif. On met quoi dedans? Ok, utiliser biorateur, décompose la biomasse en énergie. Wow. Bah c'est cool. Donc c'est-à-dire que si je mets des ça, il va me le décomposer? Ça peut être cool. Comme ça, on pourra en avoir plein. Bah, on va voir. Voilà. Comme ça, on aura vu un truc en plus. Ah, d'accord, c'est déjà plus actif. Ok, actif, charge. Faut le charger à 500. D'accord, faut trouver 500 trucs et lui mettre dedans. De ce que j'ai compris. Espèce, fongicide, chair acide, d'accord. Ah ouais, là ça remonte, là j'ai 725 puissance. C'est cool. Donc tu lui donnes des champignons, c'est bon quoi. Là t'as le couteau, tu lui donnes même ça là, c'est bon, ça le fait. Tout ce qui est dégueulasse en fait. Voilà. Les herbes putricides.
voir ce que ça donne. Et après, on arrête avec le bioréacteur là. C'est histoire de. Hein. Il est déjà plein le bordel. Oh merde, j'en ai pris trop. D'accord. Je peux pas déposer, d'accord. Ok. Allez, on repart à l'exploration. Donc ça fait déjà 1h15. Ça passe super vite, franchement, ça passe super super vite. Mais tu vas pas me bouffer, toi. Voilà, ça je m'en fous. Allez, on y va. Donc là on va repartir du côté de là où on était tout à l'heure. Faut juste que je retrouve le vaisseau. Tu me poulais le vaisseau. Là, le vaisseau il est là. Oula. On peut faire le tour du vaisseau pour se faire plaisir. Pour l'instant, je sais pas si on peut rentrer dans le vaisseau, on verra. Par contre, je vous conseille d'aller farmer autour du vaisseau. Franchement, il y a pas mal de trucs à faire. Là je sais pas si je l'ai fait là. Oh j'ai dû le faire. Là y a rien. Moi il me faut le scanner. Bon il veut pas me scanner là. Il est peut-être rien à scanner. Hein. Ouais, on a grand chose là-dedans. En plus, il y a le truc qui va tomber dans 20 minutes là. Ah, il y a que dalle. Il y a un gros truc, mais il n'y a rien. Ah, bah non. Il y a que dalle. Ça c'est un câble. Tout 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 tout. Voilà. J'ai mon Simos. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Ah, viens par là toi. Casse-toi, merde. Ouais, c'est ragdoll. Câblage endommagé, outil de réparation, ça je l'ai. Donc je peux le réparer. C'est magnifique, ça se répare tout seul. Et faut pas que je meure. Et après on fera le masque aussi, l'autre là. Il y a peut-être quelque chose. Hein. Fragment de balise. Ouais. Ah, ça j'en avais déjà. Pareil. Ah, photo d'équipage. Une chaise qui va avec le bureau. Super utile. C'est pas ce que je voulais, mais. Ok. Putain, y'a rien d'autre là. Attends, je suis pas venu que pour ça quoi. Si? Ah non. Ah voilà, au moins.
Ouais, bon, y a pas grand chose. Hein. Pas grand chose. Ça, c'est une balise, j'en ai déjà une. Bon, y a rien de plus là. De toute façon que je vais crever moi. Je vais revenir mais sans crever. Parce qu'il me faut de l'oxygène. Avec de la lumière. Hop, et c'est bon, on peut y retourner. Voilà, avec de la lumière ça va être mieux. Je me disais que le compartiment c'était trop là il y a l'échelle là là. Ah, une autre pièce. Du coup on a quoi par là? On a rien à part des machins là. Non. Un fragment de balise, c'est bon. J'ai fait tout ça juste pour des balises. Sérieux? Une chaise? Bah non, c'est bon, j'ai pas envie d'avoir une chaise. Et un bureau? Ah non, j'ai déjà ouvert ça. Ok, bah je suis revenu au point de départ. C'est pas mal. C'est mieux que rien, tu me diras. Mais... Donc, faut que je retrouve mon bestio dans 16 minutes. Y aller tout à l'heure. Donc, on est là. Donc attention à ce que là, spoil alert, hein, mais il y a des Léviathans là. Donc normalement là. Avec ce que j'ai pas là, on va s'en servir, puisqu'on l'a, autant s'en servir. Voilà. Ça, je peux pas utiliser. Un équipement spécial est requis pour collecter cette ressource. Ah. Je peux pas l'avoir? Ah bah non. Il me faut un équipement spécial, moi, c'est pas ça, je croyais. Vous croyez? Et là, je suis à 1310 mètres. Ouais, c'est bon. Donc là, non. Ça, je sais pas si je l'avais déjà pris. Fragment de cyclope. Ouais, je l'avais déjà pris. J'avais déjà fermé un peu par là. Donc du coup, on va peut-être se retrouver avec des trucs qu'on avait déjà. Ça aussi je l'avais aussi. Mais ça vaut le coup de refaire un tour et de voir si j'ai rien oublié. Parce que là maintenant j'ai le CIMAS, donc quand j'étais venu j'étais vraiment... Ok, j'ai plus grand chose quand même. Ah par contre ouais, il va falloir que de l'eau et à manger. Voilà. Même l'eau là, oula. Il va pas falloir que je joue trop avec. Hop, bien vérifier partout.
Je sais pas. Ouais, j'en ai 3, ok. C'est quoi ça? Canon pour... Ah, viens par là. Je sais même pas si je l'avais fait. Ouais, je l'avais fait aussi. Le problème, c'est que je vais avoir... ouais, trop de titane. Trop de titane, tu le titane. Donc là, ok. Bon, on continue tout doucement. Bon, l'exploration de journée, c'est mieux. Hein. Parce que là, je suis en train de croquer. Ah, quoique, là, ça va. Oh, ça va, oui. Là, j'ai un truc à aller voir après. Est-ce que vous entendez, c'est la grosse bête? Canon propulsion? Mais c'est pas ce que j'ai déjà, le canon propulsion, c'est pas ça? Ah bah si, je l'ai déjà. Welcome aboard, Captain. Qu'est-ce que je m'en cogne que ça se sauvegarde dans le PDA? Tu mets un coup de main, toi? À me bouffer? Ok, là j'avais vu un truc. Je pense que je vais scanner aussi. Canon à propulsion. Hop. Un petit peu. Je sais même pas où est le vaisseau. The biomass in this area is dominated by plant life. Là, le vaisseau est là. Je suis un peu loin du vaisseau quand même. Mais on vient par là, toi. Hop. J'avais un point normalement. Capsule de survie, c'est pas ça ce que je cherche. Descendre voir un petit peu, peut-être trouver des trucs intéressants en attendant. Oups là.
passing 100 meters. Ouais, t'inquiète. T'inquiète, on gère, Ginette. Voilà, il est réparé. Ah, du coup, le point est par là. Bon, de toute façon, je peux pas farm des masses. Fragment du coq de Cyclope. Ah, 1 sur 3. Peut-être découvrir autre chose par là. Non, ça j'en veux pas. Des bruits métalliques, j'en veux pas. Et ça, c'est quoi ça? Le baie de véhicule. Ah, ça peut être intéressant. Ah bah non, j'avais déjà. Oh bah non, c'est pas intéressant. C'est dommage. Par là, il n'y a rien. Ah, peut-être là. En fait, tu sais pas ce que tu as à scanner. Entre scanner, ce que tu peux ramasser. Un débris métallique. Ok. C'est un peu à la nique. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre de la hauteur. Voilà, et essayer de voir un peu dans les environs. J'ai dû me prendre mon Simos. Ah, où ça, alors je sais pas. Tiens, casse-toi. Oh là 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 là. C'est quoi ça? Ça, je l'ai déjà aussi. J'avais dû le scanner, ouais. Ça, je l'avais scanné. Donc, j'étais déjà vu ici. Ok. Bon, mon inventaire, de toute façon, il est plein, comme ça. Du coup, avec le Simos, c'est vachement mieux. Hop. On a déjà 1h30 de record. Encore 4 minutes. Est-ce qu'il y a quelque chose par là? Hop. Par là, il n'y a rien. Et dans mon inventaire, il y a quoi? Oula, il y a pas mal de trucs. Ouais, beaucoup de trucs. Par contre, ouais, j'ai plus d'eau, donc je vais te coincer avec l'eau. J'aurais dû prévoir plus d'eau. Oula, c'est quoi ça? Oh ouais, oh merde. Detecting massive energy signature in the region. Cannot identify it. Alors là, je suis sur une île. Enfin, je crois, il y a une île. C'est énorme. J'ai dû passer derrière le vaisseau en vrai.
Ouais, c'est un rocher, quoi. Ouais, il y a de la végétation. Énorme. Bon, bah, on a trouvé une île. Donc, on va essayer de trouver un point de repère par rapport à... Voilà, donc on est à 1000 mètres au niveau du... Si on se met, voilà, 1000 mètres sud. Et j'ai plus d'eau, donc je suis dans le caca. Je sais même pas si on peut y aller là. Faire. Ah, il y a un truc là. Par contre, j'ai plus d'eau, ça me fait chier. Est-ce que je vais en trouver sur l'île? Là, j'ai vu qu'il y avait une plage. On ira tout à l'heure. Oh putain, laisse tomber, t'as vu ce qu'il y a, toi? Par contre, j'ai manqué d'eau. Ouais, bah ouais. Ça, je suis entièrement d'accord. Hein. Putain, du lourd. Du lourd. Oula, un méchant, là. Casse-toi, toi. Je sais pas si on peut sauter. Non, on peut pas sauter. Bon, bah, y a plus qu'à hein. Découvrir l'île. Il n'y a pas l'air d'y avoir de loup. Arbre à bulbe. Oh, du lourd. Rampant des cavernes, ouais, je m'en fous. Ce qui est con, c'est que je vais mourir. Oula. Ouais, il se passe quoi là? Il n'y a rien pourtant. Survivor, we see you. Man, I don't know how you held out down there. We've broken atmosphere and we're descending towards the landing site. Qu'est-ce qui se passe encore? Is that a building down there? What do you mean you can't identify it? Hold on. No turning back now. Une tablette. Positions, everyone. Touching down in 10, 9, 8. It's coming from the building? Oula oula, il va le détruire. Change course. Oh non. Set thrusters to full. Oh la gueule. Oh bah c'est malin ça. Oh super. Oh bah non, ça pue. Et moi j'ai plus d'eau. Ouais mais non, ça va pas me redonner... Faut que je revienne pour l'eau. J'ai pas le choix. J'aurais dû prendre de l'eau. Bah oui. Je vais mourir. En plus, mon Simos, il est là. Enfin,
Yeah. À moins que je trouve un truc. Une fontaine, un truc du genre, non? Non, ça m'étonnerait que je trouve quelque chose par là. Je vais crever comme un con. Bah, y'a rien en fait. Par là, y'a rien. Et merde. Je suis mort. Mais du coup, on sait où c'est. Et là, je suis mort d'eau. Donc, je sais pas comment ça va se passer. Enfin, de manque d'eau. Ah, oh, j'ai perdu des objets, c'est dommage. Ah, j'ai toujours la tablette. Ah oui, j'ai perdu pas mal d'objets quand même. Hein. J'ai de l'eau. Hop. Donc mourir d'eau. Le Simos, il est là. Bah, du coup, faut que je parte avec des pochons, machin, truc. Là, j'ai pas le choix. Hein. Hop. Faut que je trouve des pochons. Après, faut vraiment que je trouve une solution pour l'eau. Je vais trouver ça offline. Mais là, je peux pas rester comme ça éternellement, c'est pas possible. Il est où le poisson? Ah merde, j'avais un poisson, il est où? Là. Voilà. Ouais, pas mal de pochons là. Ah non, si tu viens me narguer, viens, je vais te manger. Voilà. Chercher d'autres pochons. Puis après, on va retourner tranquillement au Simos. Non, pas là, ça sert à rien. En plus, il y a le truc qui s'est éclaté là. Ouais, va falloir que j'aille le zioter aussi ce machin là. Niveau des pochons, on est comment? On a 4 pochons. Bon, on va pas en avoir assez. Il faut que je fasse attention aussi pour sceller la nourriture. Quoique, j'avais pas méga faim de base. Là. Oh merde. Ah, t'enlèves ça en fait, le jeu, tu peux le penser en quelques heures. Hein. Et du coup, c'est ce qui donne un petit peu plus de suspense au jeu, c'est super cool. Enfin, moi personnellement, j'adore. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Tac, tac, tac. Mais viens par là, toi. Ah, je pouvais l'avoir, je crois. Bon, bah, du coup, là, je vais prendre le pochon qui est là. Voilà. Transformer ça en eau. Ok. T'as mal l'air d'être pas mal. Non, j'ai pas envie de le voir, lui. Hop. Je sais que j'ai du sel normalement là. Mais où, je sais plus. Mais du coup, mon réacteur il donne quoi? 725 sur 725, bah nickel. J'ai assez de puissance et. Dépôt de sel. Ok.
Là, j'ai du dépôt de sel. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et puis les pochons, puis ça va être bien. Du coup, deux fois que je tente un truc, et que j'ai ce Simos là-bas, c'est pas mal. High priority automated message from Aurora Live Pod 13 coordinates attached. Live Pod is carrying high priority passenger. Yoki Kassar. I said Kassar. Why do I have to report this anyway? Merde, je voulais pas faire ça. Mais merde. Signal location uploaded to PDA. Ok, super. Voilà, et là il me faut de l'eau. Nickel. Par contre là j'ai un truc, mais je sais pas ce que c'est. Ah, un équipement. Tablette violette. Ancienne tablette, cube ionique et diamant. Ah, on peut en créer une. Oh, c'est cool. Oh non, Piper. Ah, bah j'ai encore un Piper. Je vais le manger tout de suite, comme ça, ça va être fait. Hop. Alors, attends. Asséché. Là, le Piper, il est cuit. Asséché, 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 asséché. Vas-y, bah mange ça. Et on prend ça. Et on décolle. Bon, bah, il n'y a plus qu'à refaire les 1000 mètres. Waouh! Et là, voilà. Donc on va retourner là-bas. Et après, on va faire les deux points de chute. Il doit y avoir des points de chute, je sais plus où là. Hop, on va éviter que ça soit trop long. On va utiliser le Siglide. Comme on est en surface, normalement on devrait pas craindre grand chose. Heureusement qu'on l'a ça. Hein. Ah, vous avez vu les éclairs au fond là? Donc pratiquement au nord, vous allez dans la direction du nord, au bout d'un kilomètre, bah vous avez ça. Donc, je sais pas du tout ce que c'est une île que j'ai trouvée comme ça au pif. On verra bien. Donc ça serait peut-être intéressant de créer un truc par là. Je vais faire le tour de l'île, on verra bien. Là, il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose. C'est quoi ça? Ok. Donc, on a vu un gros truc alien là qui a pété le vaisseau. Alors, ça, c'est fort. Il y a quoi par là? Et là, il y a des trous. Oh, c'est quoi ça? Ah, c'est le vaisseau, non? Comme on a du clipping, on sait pas du tout à quoi s'attendre. C'est chiant. Du coup, on avait un truc, mais là, on n'a plus rien. Ouais, c'est bizarre. Hop, on va faire ça. Et on va prendre... Ah là on a un... Ah oui d'accord. Bon on arrive là où on était tout à l'heure. C'est ça là, le gros truc qui a pété le vaisseau là. Truc de dingue quand même.
On va aller le visiter après. Du coup, j'étais par là. Je sais même pas où ça m'a donné par là. Du coup, j'ai pas pu aller où je voulais. Oula. Là, ça m'a une grotte. Ça, on peut pas l'enlever. D'accord. Je crois que j'ai ma lampe. Oh, il y a des lampes torches là-haut. Ok. Oh, me casser où vous? Je peux pas vous battre. J'ai même pas de flingue, j'ai rien. Oh là là, c'est quoi ça? Lithium? Schiste, d'accord. Je suis pas venu faire le plein. Je pense que je vais en avoir besoin plus tard. Je suis carrément dans une grotte quoi. Bah, faudra que je revienne. Hein. C'est quoi ça? Je sais pas où je m'enfonce, mais je m'enfonce. Oh non! Ah, oh, c'est malin. C'est malin, t'es mouru. Niveau de mon inventaire, en plus je suis pratiquement plein. Qu'est-ce que nous avons par là? Bah rien de spécial. Oula! Eh merde, il y a un Léviathan. Bon. Il n'y a rien d'autre autour de l'île. Pour moi, il y a autre chose. Non? Oh, ouais, ouais, ça va. Hein. Pas ta mijaurelle. Une tablette cassée. Mais j'en ai déjà une. Ouais, j'avais pas forcément besoin, tant pis. Ok, on met la tablette, ça va annuler le champ de force. Et du coup, on va rentrer dans un vaisseau. Ok. Avec mon petit couteau d'Rambo, là, je vais pas aller bien vers loin. Scans indicate this structure is composed of a metal alloy with unprecedented integrity. Ok. No match is found in database. Performing structural analysis. D'accord. Ah, là, il y a un truc. Unknown language. Attempting translation.
D'accord. Ok. Je suis un peu perdu là. Je me pose ce qu'il faut faire. Un cube vert. Ouais. Super. Qu'est-ce que je vais faire d'un cube vert ? Analysis of the patterns on the walls cannot ascertain whether their purpose is aesthetic or functional. Further data required. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? En fait, je vais me perdre dedans. Je vais pas réussir à trouver la sortie. Unknown language, attempting translation. Your best probability of interfacing with this facility is achieved by accessing the control room in the lower section. Ok. Wow. Super ça. Il y a la gravité. Et je vais où là? D'accord. Attends, c'est badass. Il y a un truc, mais je crois pas ça. Contrôle du champ de force. D'accord. Oh putain, il y a une piscine quoi. Délire. Bon, on verra après ce que ça donne la piscine. Ok. Ah. Une arme extraterrestre, un fusil extraterrestre. Un fusil alien. Ok. On peut y avoir grand monde quand même. Là, il y a des cubes. Un cube ionique. Ok, donc on découvre pas mal de choses là. Par là, il y a quoi ? Ah ouais. D'accord. Magnifique. Mais je sais pas ce qu'il faut faire. Attends. C'est une arche alien. Ok. Et je suis censé faire quoi avec l'arche alien ? Je pensais strictement et en tout cas c'est super joli. C'est bien fait et tout. On se croit dans un portal. Ou autre chose, hein, du portal, mais voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit. Mais... Ok. Il y a un truc violet par là. J'espère que ça pue pas la... La merde. Et comme j'ai pas d'autres tablettes... Ah si, j'ai une tablette là. Peut-être en avoir besoin de part alors. Si on me la donne là... Oula, on va essayer de pas tomber. Ah, y a un truc là. C'est quoi ça? Appareil extraterrestre. Dispositif de fin du monde. Ok, c'est réjouissant. Et après, faut que je retrouve la piscine quand même. Scans indicate the facility's control room lies beyond this doorway. On insère la tablette. Et le champ de force est désactivé. Oula, c'est quoi ça? Oui, il y a du truc là. Oui, il y a du truc là. D'accord. Il y a un truc par là. Interagir. Ouais, si tu veux.
Bon, c'est quoi le délire là? Il va me bloquer la main. Ouf. The control panel is broadcasting a message. Translation means warning. Vous avez compris quelque chose? Individuals may not disable the weapon. This planet is under quarantine. Ok, la planète est en quarantaine, super. Donc c'est pour ça qu'il n'y a personne, sauf moi. Translating background broadcast. Downloading summary to data bank. Données téléchargées, emplacement, installation alien. Ok. Et je suis perdu. Ouais, c'est bon. Hein. J'ai des cubes aliens partout. Allez, on va faire un petit tour dans la piscine, on va voir. Oh, le délire. Franchement, c'est du délire. Je m'attendais vraiment pas à ça. Non, 53 de piles, ça va. Ok. Donc, il faudra que je retourne avec le CMOS. Par contre, ce que je peux faire, c'est... un truc que je peux faire, moi. J'avais pas une balise? Là. Merde. Et voilà. Comme ça, si j'ai un problème, je peux la retrouver. Oh merde, viens là toi. Non, non, non. B, on va appeler ça île. Île alien, non. Comme ça, si j'en ai besoin, je pourrais revenir. Eh, malin, l'astico. T'en penses quoi, toi? Eh, franchement, le jeu, depuis le début, il m'épote. Il alien... Il alien... On va marquer 1. Il y en a peut-être d'autres. Comme ça, si on sait pas. Il alien 1. Voilà. Oh, vas-y, c'est chiant ça. 30 seconds. C'est un truc de taré, hein. Faut que j'aille chercher le CMOS. J'ai pas le choix là. C'est bon, 34 mètres, je vais y arriver. Je suis poulé le bordel. Ah là. Il est à 300. Putain, c'est une ville dans une ville, quoi, le machin. Ouais, j'ai plein de trucs à aller voir. Dans un prochain épisode, il va falloir aller voir ça. Hein. On peut pas rester comme ça. 200 mètres. Donc du coup on a visité ça, mais sur l'île, ça m'étonne qu'il n'y ait rien sur l'île. Ça m'étonne. Ah, j'ai plus d'énergie, ok, ça c'est fait. Un petit peu de végétation.
Et de nuit, c'est vraiment pas terrible. De toute façon, je vais faire le tour de l'île, je verrai. Et j'ai mis une balise maintenant, donc c'est bon. Oula, c'est quoi ça? C'est l'eau? C'est long. Oh, ça mène où ça? Délire! Là, je peux pas venir avec la Sima, c'est pas possible. Par contre, je vais remonter. Je vais pas prendre de risque. Oh, c'est du délire. Pff, je reviendrai quand j'aurai plus de trucs. Je sais même pas par où je viens là. Je viens de pas par là. Y'a rien en fait par là. Me dis pas que je me suis paumé. Je me serais bien paumé. Mais non, j'arrive d'en face, moi. Je crois. Non. Elle est bien bonne celle-là, je sais même pas par où je suis arrivé. De par là. Je suis arrivé de par là, il fait jour. Ah, je vois que dalle. Bonjour. Bon, puis qu'à faire le tour de l'île. Parce que là j'ai rien découvert de bien. Non, merci, merci. Localisation. Pas du Mansimo, c'est malin ça. Je me bouge les mille bordel. C'est quoi ça? Soixante, 38, 31. Ah d'accord. Bah il devait être là en fait. Non. Tu peux, je l'ai rangé.
Moi, il me dit qu'il est là, mais il est pas là. C'est quoi ça? Oh, rôdeur. J'entrefume mon Simos, c'est pas drôle. Et j'ai pas envie de le refaire. J'aimerais bien le retrouver. C'est un méchant ça. Là c'est là où j'ai déposé ma balise, ouais, 230 mètres. Ouais, il a dû être perdu. Hein. Ah non. J'ai entendu un brr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 
Pas mal le clipping. 90 mètres. 60 mètres. 30 mètres. Là je l'ai perdu. On va retourner. Oula, c'est quoi ça? Ça a l'air très très hostile. Hein. Non, bah on va éviter. Hein. D'accord. On va refaire un Simos, tant pis. Hein. Pas si je vais en avoir assez. Et on va se quitter là. Je crois que ça va être bien. Du coup là je vais farmer mes offline tranquillement. On a déjà découvert l'île, de toute façon je vais revenir sur l'île, j'ai laissé une balise mais il me faut le Simos absolument. Donc je vous dis à la prochaine sur la Gata TV. Salut. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.